votre réponse. Nous en sommes à la déclaration des députés, leader parlementaire du gouvernement. Rappel au règlement, conformément au, à l'article 7E du règlement, la séance du soir d'aujourd'hui est annulée. Député de Windsor-Tecumseh. Nous avons perdu un être aimé de notre communauté et héros des soins de santé, Hannah Poré. Elle avait seulement 22 ans, qui est décédée lors de problèmes survenus lors de sa chirurgie. C'est une infirmière absolument dédiée. Elle était vraiment dévouée et même après son décès, Hannah aide les autres en donnant ses organes et cela a permis de sauver beaucoup de vies. Nous avons tous souffert de la perte de sa vie. Sa famille a commencé une page GoFundMe pour collecter des fonds pour une bourse en son nom à l'Université de Windsor. Et son legs aidera les autres. J'en profite pour reconnaître son service en tant qu'infirmière et j'exprime mes condoléances à sa famille. Et nous sommes reconnaissants de l'impact positif que ça avait eu sur les autres. Député de Nickel Belt, déclaration de thé. Nous aurions voulu être dans notre circonscription pour rejoindre les 9 000 de manifestants au service de santé du Nord. Ces travailleurs travaillent sans convention collective depuis le mois de juin 2022. Cela fait deux longues années. Aujourd'hui, le 16 mai est le jour tant attendu d'arbitrage. Nous soutenons les travailleurs. Il y a des pénuries dans 15 catégories différentes de professions de la santé. Des thérapeutes respiratoires, aides pathologues, thérapeutes de radiologie, physiothérapeutes, thérapeutes professionnels. Et la liste, et j'en passe. Ces pénuries ont engendré des retards de tests et même des personnes qui n'ont pas pu recevoir des soins à temps. Tous ces retards prolongent le séjour à l'hôpital pour de nombreuses personnes, le surchargement des hôpitaux et la médecine de couloir. Pourquoi est-ce que les gens s'en vont de ces métiers? Eh bien, c'est la rémunération et les conditions de travail. J'espère que l'arbitrage leur donnera ce que les négociateurs n'ont pas pu obtenir, de bonnes rémunérations et de bonnes conditions de travail à tous les travailleurs de la santé dans la province et à tous leurs alliés. J'apprécie votre travail important. Nous aurions souhaité être là avec vous. Et après cette longue attente de deux ans, espérons que vous obtiendrez une bonne convention collective. Député de Brampton West. Notre gouvernement, sous la direction du Premier ministre Ford, passe à l'action en construisant l'autoroute 413. D'ici à 2025, nous irons de l'avant avec la construction et nous passerons à la mise en chantier. Cela fait partie de notre plan visant à bâtir la province. À Halton, les régions de Halton, Peel, York connaîtront une forte croissance démographique. Notre gouvernement dit oui aux besoins en infrastructure de la province en construisant les routes et autoroutes qui permettront à ces communautés de rester fortes et prospères. L'autoroute 413 soulagera le couloir le plus congestionné de l'Amérique du Nord. Et les travaux préliminaires ont déjà commencé. Pendant les travaux, cela va générer 3 milliards de PIB avec la création de nombreux bons en emploi de tous les métiers de la construction, y compris les experts environnementaux, les inspecteurs et tout un éventail de professionnels. Cela va augmenter la productivité, la croissance économique en transportant plus rapidement les biens, mais cela aura un impact positif sur la qualité de vie des automobilistes de la province pour leur permettre, en leur permettant de passer plus de temps en famille et moins de temps dans les embouteillages.
nous allons régler les problèmes d'encombrement en rendant la vie plus commode et plus facile pour des millions d'automobilistes dans la région torontoise. Nous passons à l'action. Nous construisons l'autoroute 413. Merci beaucoup. Déclaration du député, député de Niagara Falls. Les temps d'attente pour les IRM sont inadmissibles dans la région Niagara. Il y a des retards de 306 jours, une attente de 306 jours pour un IRM. Ça s'est doublé depuis l'année dernière. Depuis des années, nous luttons pour obtenir un financement additionnel pour prolonger les heures d'opération des IRM. Nous avons obtenu un financement pour une nouvelle machine IRM, mais malgré cela, les retards sont encore plus longs. Pourquoi est-ce que les gens sont obligés d'attendre 306 jours? La population de Niagara ne serait pas obligée de supporter ces longues attentes insupportables, alors que leur santé se détériore. Ces retards sont encore un prétexte pour privatiser le système. Mais soyons clairs, la privatisation n'est pas la solution. Cela ne bénéficie que les nantis, alors que tout le monde, tous les autres doivent souffrir. Au lieu, il faut prioriser la santé et le bien-être de nos communautés. Il est temps de passer à l'action. Nous ne pouvons pas permettre que notre système de santé publique continue de passer d'échec en échec. Il faut veiller à ce que les résidents du Niagara puissent accéder au IRM. Que se passe-t-il à la santé Niagara? On ne peut pas permettre que notre système de santé soit un échec à dessein. 306 jours, c'est inadmissible pour les résidents de Niagara. Merci de votre attention. Merci. Déclaration des députés et députés de Lanark-Frontenac-Council. Merci, Monsieur le Président. J'étais ravi de rejoindre la ministre de la Santé le mois dernier pour une annonce virtuelle très importante qui aura un impact positif sur de nombreuses familles de Lanark-Frontenac-Council. Un nouveau programme de chirurgie pédiatrique a été créé pour réduire les délais d'attente pour les enfants et jeunes. Cela fait partie de l'investissement de 330 millions de dollars supplémentaires chaque année dans les hôpitaux pédiatriques et dans les soins communautaires dirigés par l'équipe de santé. Il y aura plus de services à l'hôpital Carlton et District et dans ma circonscription de Lanark-Frontenac-Kingston et à l'hôpital général de Brockville et aussi dans la circonscription de mon voisin de Leeds-Granville. Les financements seront destinés à l'hôpital de Carlton District avec pour les soins pédiatriques et les chirurgies orthopédiques. Je remercie Mary Wilson Trider, qui vient de prendre sa retraite de son poste de PDG de l'Alliance de santé de Mississippi, qui comprend les deux hôpitaux que j'ai mentionnés, et aussi Nick de l'hôpital de Brockville et le directeur de l'hôpital pour enfants d'Ottawa. Grâce à nos initiatives, nous offrons des soutiens financiers importants aux hôpitaux et aux collectivités pour améliorer la prestation de soins pédiatriques et pour veiller à ce que les familles de toute la région et de toute la province reçoivent des soins plus rapidement, plus facilement et plus près de chez eux et elles. Merci. Déclaration des députés et députés de Spadina-Fort York. Merci, Monsieur le Président. En 2018, j'étais en vélo sur la roue bleue et un véhicule m'a dépassé et un passager est sorti de la porte arrière. Je n'ai pas eu du temps pour réagir. Et, il y a eu une collision. Mon vélo a été endommagé. J'ai été blessé avec des ecchymoses. Cela fait partie des milliers d'accidents dans la ville. J'ai eu de la chance et j'en ai parlé avec un autre monsieur qui a été poussé en dessous d'un camion. Et il n'en est pas mort, mais maintenant il est tétraplégique. Il y a des solutions pour réduire, pour éliminer ces problèmes. Et aujourd'hui, il y a des étudiants en ingénierie qui ont conçu un appareil qui est rattaché au miroir. Et si un vélo, un autre piéton, un véhicule passe à côté d'un véhicule, cela
déclenche une alarme et une lumière, et cela empêche la personne d'ouvrir la porte afin de réduire le nombre d'accidents par porte de véhicule. Je vais déposer une motion pour obliger la pose de ces appareils dans tous les véhicules de partage de transport collectif. Et j'espère que cette motion sera approuvée. Merci, Monsieur le Président. Déclaration du député de Burlington. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir de prendre la parole pour vous parler de OSAD, les étudiants ontariens contre la conduite en état d'ivresse de l'Ontario. J'ai eu l'occasion de rencontrer les délégués étudiants lors du lancement 2024 de leur journée annuelle. Cela a été créé il y a quelques années et c'est la seule initiative dirigée par les étudiants en la matière. Avant, on parlait seulement de conduite en état d'ivresse, mais maintenant, il s'agit de tout ce qui peut empêcher la conduite en toute sécurité, donc pour les stupéfiants, légaux, illégaux, ou écrire des textos lorsqu'on conduit, et j'en passe. Je félicite ces jeunes personnes pour leur leadership et pour le rôle qu'ils jouent dans leurs écoles et leurs collectivités. Nous savons que des programmes de sensibilisation efficaces, comme celui d'OSAD, peuvent influer sur les comportements des uns et des autres en rendant nos routes beaucoup plus sécuritaires. Je remercie OSAD, car il nous rappelle que les décisions que nous prenons au volant ont un impact non seulement sur votre vie, mais sur la vie d'innombrables autres personnes. Déclaration de député de Guelph, j'ai l'honneur de prendre la parole pour dire merci au réseau pour l'action climatique de Guelph et la coalition Guelph-Wellington pour la justice sociale pour la tenue d'un forum de justice sociale il y a quelques jours. 160 membres sont sortis un bel après-midi pour parler des initiatives à prendre pour faire face à l'urgence climatique. Je suis parti de la réunion complètement transformée, énergisée par l'énergie dans la salle. Ils ont parlé de toutes les initiatives que l'on peut prendre pour réduire la pollution climatique. Ils ont parlé du besoin de déconnecter les maisons des combustibles fossiles sales et de l'installation de pompes à chaleur. Et ils ont dit qu'ils veulent que l'Ontario investisse dans des solutions solaires et éoliennes à faible coût et non pas les centrales salissantes et coûteuses. Mais surtout, ils veulent un avenir pour leurs enfants ou leurs petits-enfants, où ils peuvent vivre. Ils veulent que le gouvernement nous aide à nous préparer pour les urgences climatiques, les sécheresses, les incendies, les inondations. Et je tiens à ce que à souligner à mes commettants que je vous ai entendu et que je vais travailler fort ici pour trouver justement les solutions dont nous avons tous et toutes besoin. Déclaration de député de Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur d'évoquer un moment touchant de la fête des mères. J'ai 4 enfants et 7 petits-enfants. Je comprends profondément les joies et les difficultés d'être une mère. Donc, je prends la parole aujourd'hui au nom de la population de Richmond Hill pour rendre hommage aux femmes remarquables qui enrichissent leur vie en tant que mère. Tout récemment, j'ai assisté à une célébration très touchante organisée par l'Association des services catholiques de la région York. Événement important qui a commémoré les mères incroyables de notre communauté en soulignant leur résilience et leur amour inconditionnel. J'ai été très ému par leurs histoires de sacrifice et de soutien inébranlable. C'était un rappel de l'impact profond qu'ont les mères sur nos familles et sur nos communautés.
réaffirmons notre engagement vis-à-vis du bien-être des maires de la province. Vous êtes appréciés, chéris et célébrés, non seulement la fête des maires, mais tous les jours de l'année. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députés d'Essex. Merci, Monsieur le Président. C'est la santé, c'est le jour de la sécurité des sites de construction et les travailleurs de la construction jouent un rôle absolument important que satisfaire aux besoins en logement de la province. Et les inspecteurs, pardon, nous jouent ce rôle pour nous protéger. Le Code du bâtiment établit les codes minimaux pour les projets de construction dans la province. Cela a un impact sur nos vies de tous les jours en créant des normes de sécurité dans nos maisons et en veillant à ce que tous les espaces publics soient accessibles pour tous. Et en trouvant des solutions innovantes alors où nous cherchons à atteindre notre objectif de construire 1,5 million de logements d'ici à 2030. Nous pouvons libérer le potentiel de la province en respectant les normes. Voilà pourquoi je suis fier de la publication du Code du bâtiment de 2024, l'actualisation du Code la plus importante depuis 2012. La nouvelle version nous donne des occasions pour accélérer la construction de nouveaux projets de logements comme l'élargissement et des constructions en bois d'œuvre encapsulées et avec beaucoup de succès. Je suis fier d'appartenir à un gouvernement qui continue de travailler avec les municipalités et les constructeurs pour tenir notre promesse de veiller à ce que tous les Ontariens aient accès à un logement sûr et sécurisé. Merci, Monsieur le Président. Thank you very much. That concludes our Merci beaucoup. C'est la fin de la.